sur une terre de pas plus de 40 000 âmes. Vivait un guerrier qu'on appelait Ataï, cultivateur de bagnons et d'igname, chef omané du peuple des Kanaks. Obtenu son titre malgré son jeune âge, dans le respect des coutumes ancestrales, gardien d'une quelques cinquantaine de cases, au nom de Nouméa à la capitale. Au contact des missionnaires, il apprend à